sikoyo zo mokanda kaka bible wana oyo bango ba arabe olimbi si mindele mindele oui oui ba yena yango awa ba pasteur bazote yake yezu akufi pona bato et puis asekwi hein zo na lunde konangai Matthieu 27 37 Matthieu 27 37 oh. Et le biboy Matthieu 27, 37 et lobby. Matthieu chapitre 27. Verset 37. Ouais. Et lobby, boye, tokomi. Et lobby, ils placèrent au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation, ainsi libellé. Celui-ci, Jésus, le roi des Juifs. Au lieu du motif, il y a l'Iwa ya Yesu. Mais ce qui a koufa pour le masoum, c'est le masoum. Pour indiquer le motif de sa condamnation, celui-ci est mort pour les hommes, pour le péché des hommes. Mais bah comme il n'a que roi des Juifs, parce que pouvoir y a bah Romain à Palestine, monte cela qui consiste à attaquer na Jésus, libérateur d'Israël, Luc 1:33. Omoni. Donc résurrecti totin na nous yaliwa, akufina nous te. On a ma soumou ya bato. Ça c'est exclu. Mais la lobby pas commis wana. Donc si quelqu'un se croit Ezali, ce que tu as dit dans le coro, tu as signé pour nous indiquer Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc motif na Ezalaki, yango wana. Même le jugement na ye, batou na ye, es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Ok, toke si qu'on a résurrection parce que. Ce qui a coupé pour le bateau, n'est pas la résurrection. Yango. Si vraiment Jésus a zala qui ressuscité, soit comme Matthieu wana, chapitre 28, soit verset 15. Matthieu chapitre 28, verset 15. Aux une an, au banana 13, banana 13, tu okay, 15. Et le Bible, avec cette consigne, vous direz ceci, ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé. Voilà. Tandis que nous dormions. Ok. Bah ça l'ennemi va y binzot. Ok. Que si l'affaire aux oreilles du gouverneur, et que si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, oui. Nous nous chargeons de l'amadouer et de vous épargner toute ennui. Ok. Continuez. Les soldats ayant pris l'argent exécutèrent la consigne et cette histoire s'est colportée parmi les juifs jusqu'à ces jours. Voilà. Kuna balobi boeke. Bon panza sango. Baye koli na ye, baya ki ko yiba nzoto na ye. Wana babandina, bayibi nzoto na ye. Nde bongo, soki gouverneur atuni biso to koloba. Alors, soko ba sonde ba zi mbongo, ba kiti na site ko panza sango ke, nzoto ya Yezu, bayiba, balobi sango wana, jusqu'à ce jour. Ti mo koloba za ko imprime Bible oyo. Hein? Parce que soki makambona si esi la, mais va comme appelle la Bible que en telle année des histoires ne silaki. Donc jusqu'à ces jours, même pas ngala simbi jusque na oyo pasteur au simbi. Jusqu'à ces jours, ku ne pas na bango sango ne zo continuer que Yesu nzoto bayiba. Et a koka ko prouver le contraire te. Pourquoi koka ko prouver le contraire te? Zo 1 Corinthiens 15 35. 1 Corinthiens 15 35. 1 Corinthiens 15 35. Hein. Les communs soient inga nazo mona wa makambo nazo comprendre les sous. Soit 1 Corinthiens 15:35. 1 Corinthiens 15:35. Et le biboye. Ah bande quoi c'est comme grave pensa minute. Mais dira-t-on comment les morts ressuscitent-ils? Ok. Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes, toi ne reprends vie s'il ne meurt. Ok. Est-ce que tu et ce que tu sèmes n'est pas ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de quelque autre plante. Et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence, un corps particulier. Ok, ce que là, voilà. Est-ce que tu vas comprendre le botangi? Balobi, résurrection, bako sekwa ndengeni. Oyo, baloni, et kokiko sekwa te, soki koufite. Mais, yeba boeke, oyo loni, yango wana te oye kobima. Donc ekobima na nzoto mosusu. C'est clair, ouais. Omoni, alors nzamba kopesa nzoto oyo ye alingi.
Or, awa soki to ye na résurrection proprement dite, moto akufi alamuki lisusu na nzoto na ye ne bongo balobi résurrection. Omoni? Alors si koyo Yesu soi-disant akufaki akosekwa na nzoto nini? Parce que po ba ye koli pe bato nyonso bandimake vraiment Yesu asekwi, il faut ba mona ye lisusu. Alors zo sikoyo Luc, tu as vu sur la Luc 24. Luc chapitre 24, verset 19. Okay. Luc chapitre 24, verset 19, et le biboui. Ah. Et le bi, quoi donc, leur dit-il. Il lui dit, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré à un prophète puissant en œuvre et en parole. Pendant la 18. La 18 est au bandit et le biboui. Et prenant la parole, l'un d'eux nommé Cléophas lui dit, tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé. Il leur dit, quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant? Qui ça? Quels sont ces propos que vous vous échangez en marchant? Donc, Batoubazo Solo, Batouni Bango. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint comme ils conversaient et discutaient ensemble que Jésus en personne s'approcha. Et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont donc ces propos que vous vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux nommé Cléophas lui dit, tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi donc, leur dit-il. Ils lui dirent, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Baye bi kutu yete. Ya tu ni bango masolo ni bozo solo la. Balobi me. Na katia mboko osaka kale selo zanga kwa iba makambwe yela ki Yezu ya Nazaret. Ni Nazaret. Siku bazolo bango na nani? Na ye mongo kaka Jezi. Ndeko lo ilondo. Na bandi ndeko na biso Abdul Mutadila. Banda umoni ye nanu bosali ina nete. Nanu bosali ina nete. Est-ce que ce beaucoup de gens ne jamais. Hein? Jamais. Trois ans. Kaka, avant-hier, hein? Vendredi, wana kufaki, dimanche, ba bosani. Baye biye sus. Bazoye bi sa sus kolonzoto. Oh, yo kaka mutoye bi sa wangote. Est-ce que vraiment résurrection ça là? Ah, pas. On m'a dit que besoin que de consacrer la macambo, moko boye bi koutouté, et wuta wapi, et botamela wapi, boye bi ata sens na yangote, nzoka bato ba bombi macambo, pa keza macambo mosusu, awa baye macambo mosusu, ba tieni ba yindo, boso bozoba, ne ba tuba kisi ko, ba ke de consacrer la macambo ya boye. Muta kufi pona ba yuda, awa, vendredi ba sali chemin de la croix, bango baza ba yuda te. Bisika nyoso balakisi ba filme ya Yezu bazolela bazolela. Siko resurrection kute zalate. Parce que nzoto ba yiba en inconnu parce que ça ce qui a c'est quoi qui? A c'est quoi te parce que ba bosa na ye. Donc bembetika la kaka kuna kote ba kundela yango. Ce qui paye parce que c'est totali malamu ti ba twana bazo panga sango. C'est que nzoto zalaka pa na bango. Ko ba konka ki te ko tindika sango. Aussi longtemps Yezu passe à la cité. Comment on dit? Doti, batindika sango na cité, bazala ki sirke, nzoto bango bakanya ngo babombi ngo pa na bango. Alelo. Bale ko bale to komi na suka na mission na biso, e pesinga vertige, bale ko ba pasteur Bobenga. Prochaine émission débat. Ba musulman na papa nkosu contre ba pasteur sur paquet oyo. Ponga awa e pesinga vertige le kelinga. 10 secondes de commentaire,
10 secondes, parce que na ebi kende koli event, Benjamin topé au goût, topé gabé, boli misanga, si na dépassé déjà 2 minutes, boli misanga, juste 10 secondes, 10 secondes. Attendo mingi, papa, croyant africain, na olobaka na 10 secondes, oyo. Na pesi ba nyo son bote, ba mizimane so badaye kolanda biso na air, oyo. Mais na opesa versé à souka na Jean chapitre 19, verset 33-37, na o résumé en karantan, Jésus a koufagi na croix, baye, ba teye mopanga na nini na mopandi na ye ba moni mai na makile bimi oh mai na makile za sini ya vie tozoe ba te siko akufaki er ni ya onka na suki siwa nde ko Yusuf matondo mingi koko na kopesa nga maloba ngapi na kopesa ka batu kado bandi na so ba kretien ba zola na kado na ona pometa ki bango zali Jean chapitre 17 verset 4 na Jean chapitre 17 verset 4 Yesu nanda tie na kwate selon doctrine na bango malobi ki père assemble la bi ki père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à accomplir. Papa, na kokisi nyoso otina kinga na sala. Maintenant ba tie na croate. Siko quelle est l'importance quoi par rapport à vie peut-être mdabi gazali chrétien. Bozo mate gazali vraiment gazali d'abord Yesu ko ta ebité. Ah, so pina na makila na ete. Merci à Dieu, j'ai déjà achevé. Papa na suki sika wana. Ku mbo suki sa biso makambo ya kokamo. Matondo mingi bande ko balandi na kobanza eloko yebi ndoko ki kolobela. Tala lelo makambo uti sango musika yeye awa epesi bulu yeke. Ba pasteur bokokoka kokakola yango te, bosoki bokokoka na bandi bokoya mbala sima na plateau, poko tala malamu eloko bolandaka. Po bokosa maka pak esuki na E na pak esuki na S. Omoni, wana nyonso eza ba jeu de mots, siko lokola nga na lobi boye pak, siko na lobi pak wa. Il y a esto sans S. Bon, il y a pas de passe. Il y a un peu de passe. Quand il y a une chambre, il y a un tata qui est venu à la Kisayo. Il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Je suis venu comme dans la émission. Je suis venu au rendez-vous dimanche. Avec tous les pasteurs, rediffusion na émission na biso na mokolo mwami balé mardi na ngonga ya libwa. Yo akamba ngapema na kamala yula kina mungi libwa kote yali mwana mwaza mota kina kambalo kana wakala wakambe mwaza li menza lenkange liyo mungka ilanga yu yali yali mpa. Yo wakala waka ilunga midi, muto mba mkulu ilunga kalala. Yo wakala waka nkoko lwe, nkoko mwate yav, nkoko msiri. Wakala waka koko ngobila, nkoko ngabedila, nkoko mkoko nkoko yaki pavita mutamazu kwa wakana waka sankara, wakana waka mutalunga na mzee kabila. Wakana waka fumu kibangu, wakana waka nkusu kia muzalapata na ngula liyibu, mei na bobo nsongi anzila, suka bakoko. Bandeko, eske makambu uwe. Uwe baka yango kala. Nzoka ba bombe la biso makambo ebele tina ba musulman ba ko bibisa biso siko na polele papa nkuswa eko kungula yango to comprendre tete to ko zoni sa ba musulman oyu na yengeza liko ya na ba pasteur to limbwe na bango to suki sa penza histoire oyo en tout cas commentaire ezali te buti kala malabu bungutu mu kabino mato. Vous savez comprendre? Tant que vous avez dit 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 que dans Luc chapitre 23, verset 33 à 34. Luc chapitre 23, verset 33 à 34. Bah, que Yesu sur la croix, Yesu Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tata, limbisa bango pour basoye ba o basali ko salate. Soki siko eloko bango basala ki zala ki malamu. Yesu qui pour akufa pona masumu ya bato. Mais je crois que Yesu linga ko senga bi ke papa. Bénis-les car ils ont fait accomplir ta volonté. Ah, toi, qui toi, qui ont des côtés, qui ont pesé. Parce que ma pasteur, Bazali, qu'on a horizon 33 la minute, au bon mécanan, qu'on benga, parce que, awa, ma kambo, et comme il pesa, dongo, bon mécaco balayé, ou azali, na argument, a mécaco benga, na numéro, ou azali, affiché, ou ana, pambate, awa, ma kambo, et comme il pesa, mon boulou, na yébite, mfoum, tozongeli bino. Donc, ton moni, position islam, tozong comprendre, angouli, sous-souté. Donc,
en d'autres termes, Yesu Penza, plan ya liwa na ye, ndenge ya kufa, ndenge balobi ke makila na ye, et sopana, pour la kobi ki sabat. Donc, bien fait, vous soutenez le kaka bongo, et zali bongo ten fond. Maton de mingi, na kobanza koyoka bandeko, ndenge ba outi ko bimbola, bisoto zala ki koutre ba verse ya koba kisa. Un Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 8. Elobi. Ce dont nous parlons au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu. Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, voués à la destruction. Ce dont nous parlons au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu mystérieuse, de cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire. Celle qu'aucun prince de ce monde n'a connue. S'il n'avait connu, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Voilà. Ce qui baille ma volonté en Zambé, mais le baboma Yézouté. Ma volonté en Zambé, c'est là qui était que Yézou a couffé. Comment? Alors, apôtre Paul, bien inspiré par le Saint-Esprit, accompagné par l'Esprit de Jésus. En sauté, à l'objet que Yézou a koufa pour l'ignorance. Parce que ce qui va yéba qui, mais le baboma était. Zoa Luc 24, verset 20 à 21. Luc chapitre 24, verset 20 à 21. Bandeko ba passer, tozali ko benga bino awa bo benga awa. Parce que awa yini, fumu bolobi Luc chapitre 20, verset 24. Luc 24, 20 à 21. Luc chapitre 24, verset 21. Oui, 20-21. Elobi boy. Elobi to komi wapi, chapitre 24, verset 20 à 21. 20. Elobi. Ils l'interrogèrent donc en disant, Maître, nous savons que tu parles et tu enseignes avec droiture, et tu ne tiens pas compte de personne, mais que tu enseignes en toute vérité la voie de Dieu. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? 24, verset 20 à 21. Et le biboy. Et le bi, tokomi awa. Et le bi, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Voilà. L'apôtre Bazan est dit qu'il a délivré Israël. Mais si quoi, le grand prêtre va condamné à mort. Voilà l'apôtre. Est-ce que l'apôtre, Jésus, c'est qui va dire non? Salut, n'a bien qu'on a dit qu'il n'y a pas. Comment est-ce? Bango bazaki ne lika ke mutu azako délivrer Israël selon même programme na Ligue 133. Mais siko ba sutuki ba bomeli bangoye. Alors Juda Iscariot accomplissait toute volonté en Anani. Soit Matthieu 27 verset 24. Matthieu chapitre 26 verset 24. Matthieu chapitre 26 verset 24. Matthieu chapitre 26 verset 24 et lobina bisoboye. OK. Matthieu chapitre 26, verset 24. Elobi, tokomi awa, ok. Elobi, ok. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Voilà. Ce que vous savez, vous savez. Elobi. Awa, pinza, et yinde, pesinga, vertige. Et commis malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux il valait pour cet homme-là de ne pas naître. Alors que Nzambe, dans le programme Yaliwa Yezu, il faut que tu aies un mot de mobimba te kaye.
Donc, mutuana nani Juda. Mais si que Juda za ko ko ki sa volonté ya Nzambe, Jésus lui-même azolo banini alobi mwana ya mutu akokufa selo makomi. Mais ma wana mutu oyo akote ka ye bonga ki kuta bota mana yete. Mais quand Bible a dit que Jésus dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28 de la Bible, Pierre a tourné sur question avec Bissot Tika qui bilo connu de la Tolanda qui est au Zouanini. Il a dit que Jésus a dit que Bino Tolanda qui n'aille. Beaucoup de gens ont dit bon à 12. Peu pour Roger 12 tribus. Est-ce que par lui, il va pas que qui est Judas Zaki n'a accepté. C'est-à-dire quoi? Judas a mouta malam. Il faut qu'il va chrétien va remercier Judas pour Azali, le plus grand saint ou appelé si Bango Sali. Par Evry à Sala qui est chrétien va biki. Mais c'est Judas à la gâte. Contradictoire. Alors que à coquissi volonté et en zambe. Et puis à suite, malédiction à partir de Yawana. Yezu à laquelle il y a ma bé, Judas a fait comme il bon. C'est quoi pour nous tous les bannis? Il faut nous secouer. Dès que tomber la capesa, na makila na Yezu, ma pèse. Hein? Il va avoir un coup de makila Yezu, de makila Satan. C'est quoi? Donc il est purifié à capable de faire le mot la capesa. Mais dans le bien, Judas sina nous a accompli ça qui est vrai. Wana. Yezu a pambola qui est, toi laquelle a qui ma bé. Ce qui va le bique, et bonga qui coûte au bout de ma tête. Hein? Malheur na mutuana, wana za maloba ya Yezu. Malheur na mutuana, ebonga ki kuta bota mate. Siko mutu accomplir œuvre wana, balakeli ye mabe. Siko bato bako honore œuvre wana. C'est ça. Bako zwa nini? Fuse la mabe, mais ko malamu. Bako zwa bila kele mabe. Sans pour autant na kote la ba musulman. Parce que ceux qui bango pe bazo bundisa christianisme, po Mahomet bundisa ki ango kuna nani. Na moyen orient. Mais alors, aux hommes on a ceux qui au tali malam, donc œuvre satanique, bah zipi yango donc, et zipi œuvre yanzambe, donc ils allaient à Pâques qu'on a banni Israël. Mais si que y a Pâques y a Jésus, ils allaient à 150% œuvre satanique, parce que nous sommes ils allaient à Satan, à Satan, à Satan, à Satan, et comme yanzambe, Juda, hein, à la camima B. Parce qu'à bomi sisi Yezu. Si ko bato ba beti maboko, pona liwa wana, bato ba beti maboko, pona evre wana, bakozo ma bamboli, ou bien bakozo bilakeli ya mabe. Parce que Yezu yemo kazo regrete liwa yango. Hein? Bane ko balali nazali deja embrouye awa, nazo comprendre. Nazo comprendre li susu te, to beti li susu tour mo susu, na zongeli bino ba musulmans na kangi bino malamu malamu na kati ya verset awa bale ko balandi bozwa na sengi na bino ba passer pardon bo benga mo amuke parce que nga moko awa na so comprendre le sous terre mais à travers verset oyo na kanisi na kosenga bino bo limbo ya biso malamu na Matthieu chapitre 26 verset 21 bande ko ba musulmans boza la clair yo ka yesu nilinga lobi alobi en vérité. Matthieu chapitre 26 verset 21. En vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Fort attristé, ils se mirent chacun à lui dire, serait-ce moi, Seigneur? Il répondit, quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat. On m'a dit que déjà Yesu, aïeba, qui déjà liwanaye, et Zala qui déjà programmé et pas yanzambi. Neyango a lobi déjà que moko katinabino a kolivrenga. Mais si on a un cas ici, on m'a dit que Aya qui pour la Kokoufa, ce que Zala Kabongo te indigne, n'a pas qui est quelqu'un de vous ici présent au livre. Moutou ne peut pas aller pour nous t'aider. Maton Domingue, papa croyant africain, n'a pas de pessing à Moutouna, Moutouna, Wana. Naoboko Yanola, on a un nom pour Nanga Moko. Tourtant à car à verser dans la Bible, Eko Yanola. Tozoa MP, na Marc chapitre 9, verset 31 à 39. Marc chapitre 9, verset 31 à 32. Marc chapitre 9, verset 31 à 32. Marc chapitre 9, verset 31 à 32. Tokomi, Elobini. Car il instruisait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront. Et quand il l'aura tué après trois jours, il ressuscitera. Continue. Mais ils ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ah, la bande au lundi verset na malamu penza. Jésus a azako te ya ba disciple na ye, azako tangi sa bongo makamwaliwa na ye. Abina kokufa, après trois jours na kolamuka nengi kara expliquer wana. Mais verset lobinini.
ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Bah d'ici maintenant on comprend na bangoti. Et ils avaient peur de l'interroger. Bazo bang avait retour naie, makamon pour bazo comprendre. Na sou qui a tezo le sous verset monsieur Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9 verset 43 à 45. Luc chapitre 9 verset 43 à 45. Luc chapitre 9 verset 43 à 45. Et le biboy. Luc chapitre 9 verset 43 à 45. Et le binine. OK. Et le bi. Mais j'ai et tous étaient frappés de la grandeur de Dieu. Comme tous étaient étonnés de ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, « Vous, mettez-vous bien dans les oreilles les paroles que voici. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Elle leur demeurait voilée. Donc cette parole est là. Pour qu'ils n'en saisissaient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger sur cette parole. Ah. Même parole au tangi na Marc et on va trouver tangi na Luc. Balobi tant que Jésus bané ko tangi sa bango makamu na kena kokufa na rosé quoi, bay ba disciple bané ko comprendre. Té ba bané ko comprendre, ba bané pe ko poser question té. Na illustrons na moi exemple. So ki professeur a pesi cours papa si disi ko pesa cours. Et lève o ya zakana moi audace ya poser question ou a comprendre moi mouké. Tu vas nous poser par point oyo à quoi saisir t'es mais élève ou à saisir et l'autre à comprendre t'es au moins la peine d'engager poser les questions t'es donc cela veut dire bah ne reposer question t'es sur la mort n'est pas tant que c'est vraiment malheureux on recou